Alors, coucou tout le monde! C'est Lynn sur la chaîne Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous fais un unboxing, un déballage de 7, pas 5, pas 6, mais 7 kits de Pointe-Croix imprimés qui viennent tous de chez Joy Sunday Factory Store sur AliExpress. Autrement dit, c'est le fabricant comme tel de Joy Sunday. Fait que naturellement, c'est tous des Joy Sunday. Alors, et ce sont tous des 14 cantes. Puis ce sont tous à des grandeurs raisonnables. Alors, je vais commencer dès maintenant sans plus vous faire languir. Alors, je commence par un premier. Alors, ça s'appelle Flowers and Apples. Alors, autrement dit, fleurs et pommes. C'est un 14 cantes qui mesure 31 par 57. Leur mesure, c'est toujours la mesure avec la bordure. Fait que la pièce comme telle, elle est plus petite que ça, mais c'est toujours avec la bordure. C'est comme les diamond painting qu'on commande chez... chez GBFKE ou FG Normal ou ça. Alors, c'est toujours avec les bordures. Alors, je vais commencer par regarder un petit peu le patron qui est sur, attendez, 6 pages. OK. Alors, c'est un 130 par 270. C'est un partiel. Alors, comme on voit ici, le fond blanc n'est pas brodé. Et là, on va regarder, voir ce qui m'intéresse. Je vois qu'il y a beaucoup de points arrière tout de suite. Et je regarde qu'est-ce qu'on a comme type de points. Il n'y en a pas d'autres ici. On va regarder ici comment ça va être. Oh! Alors, on a 30 couleurs quand même. Et on a 3 couleurs pour le point arrière. Fait que c'est tous des points, points de croix complets et du point arrière. Il n'y a pas d'autres types de points. Alors, ensuite, on va regarder ce qui m'intéresse toujours le plus dans regarder dans. C'est les couleurs. Moi, je suis une maniaque de couleurs. Alors, comme d'habitude, on a les petites aiguilles. Ah, on a un fil ici. OK. Alors, voyez-vous, ils mettent combien de fils on a pour. Je disais 30 couleurs, puis ils mettent 31. Ah, c'est parce qu'il y a. Le backstitch, il y a une couleur qu'il n'y a pas dans les choses, OK? Vous voyez, la couleur 31 ici est dans le point arrière, mais il n'y a pas de point de croix. Je me demandais pourquoi le 31. OK. Alors, toutes les autres couleurs, je vais vous montrer un côté. Les belles couleurs. Oh, que les belles couleurs! Les belles couleurs. Ah, moi, c'est toujours les couleurs. Et quand on regarde le patron comme tel. Alors, je vais vous mettre un petit peu plus loin. OK. Et vous voyez, ça, c'est toujours des couleurs barbares, mais c'est des symboles toujours très clairs avec, Joy Sunday, fait que ça se fait bien. OK, bon. Alors, ça, c'est le premier. Je ne vais pas vous faire une vidéo de 1 heure, là, mais je vais essayer de faire ça rapidement. Le deuxième, il est fait de la même forme pas mal. Voyez-vous, celui-là, il était 31 par 57. Lui, il mesure 27 par 56. Flower basket, alors panier de fleurs. Et là, vous voyez le patron ici. Ils sont beaux. Juste savoir, il y a du point arrière. Il y a beaucoup de points arrière. Je ne sais pas si il va y avoir des points de nuit. Je pense avoir des points de nuit. On va voir. Je regarde. Je suis curieuse de voir si mes prédictions vont se réaliser. Je pense qu'il va y avoir du point de nuit. Alors, on regarde. Oups. Comme ça. Ici. Alors, je regarde. Oh! Du demi-point de croix, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Du point de nœud,
Et regardez, ah, je l'avais dit, hein, je l'avais dit, hein. Alors, on a 17 couleurs. On a plus de couleurs parce que le demi-point de croix, 18, 19, 20, 21, 22, 23 couleurs pour le point arrière. Fait qu'on a 23 couleurs en tout. Et là, si je regarde, j'aime ça du point demi-point de croix. Regardez le patron. On a beaucoup de... qu'on voit du point nu ici dans le milieu des fleurs. Il y a du fond ici. Le grillage est fait en demi-point de croix. Qu'est-ce qui est fait en demi-point de croix aussi? Ah, il y a beaucoup dans les feuilles. Oh, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Attendez, si je regarde ici comme ça. Ah non, ici, je pensais qu'il y aurait du point nu, mais non. OK. Ben, c'est bien, ça. Alors. Oh! Les couleurs. Je mets comme ça. Ah, comme ça. Et... et vous voyez. Ouais. Beaucoup de confettis là-dedans. Beaucoup de confettis. Bloc de couleurs, je pense qu'il y en a juste ici. Mais sinon, c'est beaucoup, beaucoup de confettis. OK. Puis la troisième. On parle de... il appelle ça de... Conchret, autrement dit la couronne de pas des courses, pas des cailles, de voyons le terme qui terme m'échappe là de ben, en tout cas vous savez ce que je veux dire là, je préfère de trouver le mot des un Thierry l'ermite, ça se cache dans un ah bon, je me souviens plus du mot. Alors 44 sur 44. Ça, je sais, c'est un kit de dimension. Là, ils l'ont mis en point de croix imprimé. Alors, regardez le patron en début. OK. Beaucoup de points arrière dans le fond. Parce que c'est comme pour nommer tous les types de en tout cas, qu'il y a dans la mer, là. De ça, là, qu'il y a dans la mer. Là. Et j'ai ça, j'ai oublié un terme comme ça, je regarde. Alors, c'est un 200 par 200 sur 6 pages. Vous voyez ici. On a du point nœud, du point arrière et du point de croix. Et on a 34 couleurs. Ouais. OK. Voir les couleurs. Alors, on a toujours la petite aiguille. Ça, c'est du surplus. On a 34 couleurs. On a ici... là, si je regarde, qu'est-ce qu'on a, oh, les belles couleurs. C'est des couleurs, je trouve, apaisantes. Oui. Et si on regarde le canevas, OK. Il va y avoir beaucoup de points arrière. Parce que tout l'arrière. Mais regardez, les lettres majuscules, ils mettent un petit peu de points de croix. Ça va être plus fatigant à faire que les points arrière. Parce que c'est juste, tu sais, 3 ou 4 points de croix à faire aux lettres majuscules. Ici, là, là. Ça fait que ça va être plate à faire. Mais le point arrière, ben, ça va bien se faire. Ben, il y en a beaucoup. Fait que, on pratiquait à faire notre point arrière pour faire des lettres. Il y en a beaucoup. OK. Il est beau. OK. Pourquoi il faut que je travaille dans la journée? Je ne peux pas m'installer à faire du point de croix. Hein?
Bon, et là, vous connaissez mon intérêt pour des kits qui sont les quatre saisons. Ça fait que moi, souvent, je ne peux pas résister. Puis quand j'achète une saison, ben, je ne peux pas acheter juste une saison, j'achète les quatre. Là. Regardez, là, pour qu'on voit un petit peu con. Alors, j'ai acheté ces kits-là pour les quatre saisons. Alors, je commence par... ils appellent tout Magic Cottage, Magic Cabin. Bon, les trois autres, ils appellent Magic Cabin, puis lui, il appelle Magic Cottage. Printemps. OK. Alors, on a un 29 par 26. Encore, c'est la grandeur du canevas, mais je suis sûre qu'ils sont tous de la même grandeur, parce que je vois qu'ils ne sont pas indiqués la même grandeur, mais que l'image est toute même nombre de points. En tout cas, on va voir si j'ai raison. Dans mes suppositions. Alors, ceci. Alors, on a 122 par 102. Fait qu'il est un petit peu plus large que haut. Ça fait sur deux pages. Et on a 45 couleurs en tout parce qu'on a une couleur pour le backstitch, point arrière. 44 couleurs de point de croix complet. Alors, là, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de fil comparé à... Parce que là, c'est juste... regardez, on a juste ça ici, là. Et... Puis on a le canevas ici. Fait que c'est tout. Ah, fait que j'ai dit 122 par 102. On va voir si les autres sont la même grandeur. Alors ici, on a été. Alors, le printemps, on était plus dans les couleurs. Attendez, je vais regarder. Printemps, on était plus dans rose ici. Les feuilles avec un petit peu de bleuté, de rose, ou du bleu. OK. On va regarder été. Alors, été, on est plus dans le vert. Un petit peu de bleu ici. Un petit peu de rose. Pissenlit, ça ressemble. 30 par 29. Mais comme je dis, c'est pas la grandeur du canevas. C'est pas la grandeur du dessin comme tel. Alors, je mets ça ici. Ça ici. Ah, il n'est pas exactement la même grandeur. Tantôt, il était 122 par 102. Lui, il est 128 par 121. J'aurais aimé ça qu'il mette exactement la même grandeur. Mais mon côté, il faut que ça soit pareil. Là. 45 couleurs, la même chose que l'autre. 44 couleurs pour le point de croix, une couleur de plus pour le point arrière. Puis ils l'ont mis sur 4 pages, sur 3, ouais, 3 pages en fait. Ben 1, 2, puis là on a deux autres sections ici. Ben 4 pages en fait, c'est comme, même s'ils impriment les deux pages, c'est la même page, mais c'est comme, on a du point arrière, on le voit. Alors... Là, on va avoir beaucoup de vert, c'est certain. Alors, regardez, on a beaucoup de... Je vais mettre de l'autre côté, vous voyez un peu plus les couleurs qu'en dessous. Beaucoup de vert, un petit peu de jaune, un petit peu de bleu, mais c'est surtout dans le vert, un peu de rose. Et là, on regarde ça ici. Oh, je suis excitée! Bon, OK. Ensuite, on a automne. Alors, naturellement, automne, couleur orange. Orange et rouge. Alors, OK. Okay, le compte, 124 par 116. On a 48 couleurs de point de croix. Puis on a deux couleurs de plus qui sont additionnées dans le point arrière. Ça fait un tout total de 50 couleurs. 1, 2, 3, 4. OK. Oh! 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 Regardez! Alors là, on est dans les oranges,
les rouges, c'est pétant. Waouh! C'est le fun, ces grandeurs-là, ça prend pas toute une vie à faire, là. Si je travaillais rien que là-dessus, là, puis que je me disais, ben là, probablement, je pourrais le finir dans 2 semaines. Et je faisais rien d'autre, je faisais pas de diamond painting, tout ça, mais c'est le problème, c'est que je fais bien d'autres affaires. Ça fait que. Finalement, le dernier, hiver. Alors, naturellement, là, on est dans les bleus. On a du rouge aussi pour supposément représenter Noël, je suppose. On a du mauve ici. J'aime bien le mélange des couleurs. Comme d'habitude, je n'ai pas parlé, là, mais les canevas sont toujours surjetés chez Joy Sunday. Ça, j'apprécie. Ah, c'est le premier kit qui m'a envoyé quelque chose dedans. Comme ça. Bon. Alors, on a un total de 47 couleurs. 123 par 107. OK, ça, c'est ma feuille. Et là, ils l'ont mis sur 2 pages. On regarde les couleurs. Alors là, c'est certain qu'on va voir. Oh! Regardez. Regardez. Ah! Bon, fait que là, je sais pas pourquoi là, ils sont décidés à m'envoyer ça. Bizarre, hein? Ils n'envoyaient pas dans les 3 autres kits. Dans le 4e, ils envoient. Mais qu'est-ce que je veux? Gars, ça y tentait. Bon. Et là, on a ça ici. Ah. Moi, ça là, je préfère des 4, c'est l'automne. Mais c'est souvent comme ça. Les couleurs d'automne sont beaucoup plus vibrantes, ça. Mais lui, il est beau quand même, là. Alors. Fait que c'est tout. Moi, je fais ça short and sweet, là. Ça fait que j'espère que vous avez apprécié ce déballage. Si vous avez des commentaires, puis là, ben, j'ai mon petit chat, mon gros chat, mon gros matou qui vient me voir. Alors, il vous dit bonjour. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce déballage. Si vous avez des commentaires et suggestions, je vous en prie, faites-les. Dites-moi dans vos commentaires si vous en commenciez un, celui-là, lequel vous aimeriez commencer. Fait que vous commandez. Alors, je vous dis à la prochaine. Bye!